welcoming the judges again. All the judges will be in the championship and the ringmaster and the first championship, ladies and gentlemen, are the yearly fillies championships. 6 fillies were qualified for the first championship. Good luck to them all. أول بطولة إذن بطولة المهرات بعمر سنة، 6 مهرات تتنافس. نتمنى لها جميعا التوفيق. Thank you.
Donc après un passage collectivement et individuellement, les pouliches regagnent le centre de la piste pour poser devant les juges. Donc sur la première ligne, les pouliches qui ont fait première de classe. Donc sur les sections A et sur les sections B hier, l'ensemble de ces 6 pouliches ont un nom. Elles sont nées en 2014. Novembre 2014 pour la plus jeune. Et janvier 2014. Donc vous pouvez effectivement apprécier la différence de morphologie, puisque c'est quelques mois qui séparent les différents sujets, sont tout à fait visibles au niveau de la croissance. Vous avez des teintes et des couleurs différentes. Donc toujours un petit peu de stress chez les jeunes sujets. Un travail et un apprentissage de tous les jours pour arriver à cette pause. Pouliches pour 3 médailles. Les juges tournent autour de ces dernières pour pouvoir apprécier et revisiter les éléments qu'ils ont pu noter hier, confirmer leur choix ou les infirmer, puisque là, on ne tiendra pas forcément compte de la notation. Ça sera un choix sur la présentation et leur prestation de ce jour. Deux jours de show est toujours très compliqué pour les jeunes sujets, beaucoup de fatigue puisqu'ils ont quitté également leur écurie, leur environnement habituel. So, ladies and gentlemen, and the owners of those fillies, first of all, we want to congratulate you because you are already qualified in this championship. This is the first championship of the day. It's the yearly fillies championship. We can see 6 fillies from 2 classes of fillies at the age of 1 year. All the judges are voting, and we'll be soon announcing the bronze, silver, and gold medalists. Our thanks goes to Al Jazeera Stud for sponsoring, from United Arab Emirates for sponsoring this championship. إذن أعزائي كل الشكر لراعي هذه البطولة يرعى هذا البطولة مربط الجزيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة 6 مهرات بعمر سنة تتنافس في أول بطولة نهنئها بالبداية على وصولها إلى مرحلة البطولات ونتمنى لها التوفيق 3 منها ستكون محظوظة ب ألقاب البرونز والفضة والذهب Ce championnat des yearling femelles est sponsorisé par Al Jazeera et son propriétaire, Monsieur Abdallah Al Nouis, pour les Émirats. Merci à l'ensemble de ces sponsors qui ont bien voulu doter ce superbe concours
ainsi que à The Arabian Horse Organization pour cette initiative d'aider les éleveurs européens et la Coupe du Monde de ces éleveurs. So, I have the result, the first championship. It's the yearly Phillies Championship. First of all, let's thank our sponsor of this championship, Al Jazeera Stud from United Arab Emirates. And the prizes will be presented by the owner of Al Jazeera, Mr. Abdullah Nouess from UAE. Ladies and gentlemen, and we are now ready to announce the bronze medalist. And so, out of those six fillies, the bronze medalist is filly owned by Al Adwan Stud. Wadha Al Adwan is the bronze medalist number one. Félicitations pour la médaille de bronze. Nous avons le drapeau des Émirats qui flotte avec la numéro 1, Wada Al Adwan. Pour Al Adwani Arabian Stud. أيضا مبروك لوضحت العدوان، مبروك لمربط العدوان من دولة الكويت، فوز وضحت العدوان بالبرونز. Are we ready for the silver medalist, guys? And the silver medalist is filly owned by شيخ محمد سعود سلطان القاسمي. It's مزن البداير. It's the gold medalist, Muzin al-Badayr,
And Deshireen is the silver medalist owned by Dubai Stud. La médaille d'argent pour Dubai Arabian Horse Stud avec la numéro 6, Deshireen, une fille de Khalil Al-Shakab et de Magic Mon Amour. Et la médaille d'or est pour la numéro 8, Mounz Al-Bidayer, une fille de SMAN Magic One et Matahari. À son propriétaire, Cheikh Mohamed Saoud, Sultan Al-Kazemi. Vous avez ainsi le trio. So, silver is Deshireen owned by Dubai Arabian Stud. And bronze is Wadh Al-Adwan owned by Adwan Stud. And the gold medalist is filly number 8, Mounz Al-Bidayer, owned by Sheikh Mohamed Saoud Sultan Al-Qasimi. Ladies and gentlemen, the winners, the three gold medalists and silver and bronze. Many thanks for Al Jazeera Stud for sponsoring this championship. And we're proudly having Mr. Abdullah Anways, the owner of Al Jazeera Stud, the sponsor of the championship, to present the prize, starting with the gold champion. The gold champion is Mounz Al-Bidayer, filly number 8, owned by Sheikh Mohamed Saoud Sultan Al-Qasimi. Congratulations to United Arab Emirates. مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة ولمونز البداير الذهب. Merci beaucoup à Monsieur Abdallah Al-Nois pour son sponsoring à Al Jazeera Arabians de ce championnat des yearlings femelles. Félicitations au Koweït pour leur médaille d'or. À l'Émirat de Sharjah et à Dubai Stud pour l'ensemble de leurs médailles. And the silver medalist is Deshireen, owned by Dubai Arabian Horse Stud from United Arab Emirates. Al-Faiza fi al-medalia al-fadhiya al-muhra raqam 6. Deshireen, mabrook li marba Dubai li al-khuyul al-arabiyya min dawlat al-imarat al-arabiyya al-mutahida. And let's move now to the bronze medalist. Congratulations to filly number 1, it's Wadha al-Adwan. Congratulations to al-Adwan Arabian Stud from Kuwait. مبروك أيضا الميدالية البرونزية لوضحة العدوان. نبارك للمالك مربط العدوان من دولة الكويت. Félicitations à ces trois élevages parce que ces sujets sont nés sur leur terre. Donc là, le rôle des éleveurs prend tout son sens puisque ces pouliches sont nés dans l'écurie et ils en sont toujours propriétaires. Donc félicitations à tous les trois pour leur programme d'élevage. وأيضا إذا تهنئة مقدمة من الأمير عبد العزيز أحمد عبد العزيز آل سعود رئيس منظمة الجواد العربي للفائزين. تهنئة مقدمة للفائز أو الفائزة بالذهب مزن البداير. مبروك إذا للشيخ محمد سعود سلطان القاسم من دولة الإمارات العربية المتحدة. وكذلك التهنئة الآن لديشرين ومربى دبي للخيول العربية من رئيس منظمة الجواد العربي. مشكورا بتقديم هذه التهنية. So it's a special congratulation by the chairman of the Arabian Horse Organization, Ahu Prince Abdulaziz Ahmed Abdulaziz Al Saud, for the three winners, starting with the gold, Mounz Al-Bidayer, followed by the silver,
ديشيرين أنا with the bronze واضحة العدوان. Nous avons le plaisir d'accueillir son Altesse Royale, le prince Abdulaziz Ahmed Abdulaziz Al Saoud, qui est directeur de l'Arabian Horse Organisation et qui est venu féliciter les trois écuries gagnantes pour ce championnat.